Voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Ça fait longtemps, franchement, ça m'a trop manqué de prendre ma caméra et de discuter avec vous, de vlogger, tout ça. Mais aujourd'hui, je me suis dit, c'est un dimanche, tranquille. Mais du coup, je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi. Ce matin, j'ai fait mon petit déj, comme d'hab, avec la thé avoine, vous savez. Et j'ai testé un truc. J'ai fait un toast ricotta fraise. Bon, il manquait du basilic parce que j'avais vu du basilic dans la recette pour faire frais et tout. Mais c'était trop bon. Le seul truc, c'est que moi j'utilise tout le temps le même pain aux graines et tout que j'adore, mais je pense que là j'en suis arrivée au point où genre ça me donne le hic, genre ce pain je ne peux plus parce que j'en ai mangé tous les matins, même des fois le midi et tout depuis plus d'un an, et donc voilà, il est temps que je change de pain. Ça me le fait des fois avec des trucs que j'adore, même le Madame Loïc, vous savez que je fais tous mes petits déjeuners souvent avec ce truc, mais là je commence un peu à saturer et je pense que c'est normal, donc il faut que je change un peu. C'est en plus, c'est mieux de changer pour avoir des nutriments différents et tout, mais j'ai plein de choses à catch up un peu avec vous avant qu'on commence la vidéo. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai mis Invisalign il y a quoi, presque 2 mois que j'ai ça, 1 mois et demi. Non, je sais plus, en vrai. Pour ceux qui savent pas, enfin, le temps passe très vite. Quand je dis ça, je me rends compte que ça passe très vite. Mais il y a 10 ans, j'ai déjà mis Invisalign une première fois pour faire genre un big traitement complet et tout. Je l'ai gardé presque 3 ans, quelque chose comme ça, donc c'était long. Mais bon, ça m'a jamais gêné, enfin, j'ai jamais été en mode c'est l'enfer quoi d'avoir ça. Pas du tout, c'est juste que tu l'enlèves, tu remets tout. Et mon orthodontiste, qui je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais donc j'avais un fil de contention en bas, ce qui fait que mes dents du bas n'ont pas du tout bougé. Et en revanche, j'ai jamais eu de fil de contention en haut, ce qui fait que bah, au bout de 10 ans, genre mes dents ont un peu bougé, ont pas des masses. Enfin là ça a déjà un peu bougé par rapport à la base, je vous remettrai quand j'aurai des photos ou autre pour que vous voyez, mais j'ai une de mes incisives qui avait commencé à bouger. Et bref, tu sais très bien que ça va pas aller en s'arrangeant, genre tu sais que au bout de 5 ans, 10 ans ça va continuer à bouger, donc c'était pas le but. Et là je me suis dit, comme on part bientôt de France à l'étranger, que je ne sais pas quand est-ce qu'on reviendra ici, que les soins à l'étranger c'est hyper cher et compliqué et tout, et même sur voyage enfin c'est pas pratique, donc bref je me suis dit, tant que tu restes un peu en France là, bah essaye de faire le traitement, sauf que comme toujours c'est très long d'avoir un rendez-vous, ensuite t'as ton premier rendez-vous, ensuite il y a la validation, bref ça prend un temps de ouf, donc même si je m'y suis prise à l'avance, j'ai posé mes premières gouttières que il y a un mois quoi, et du coup j'avais aucune idée à la base du temps de traitement, tout ça, mais là normalement si ça se passe bien, en principe j'en ai pour 5 mois et demi, parce que bah, ma dentiste elle est pas là, elle est en vacances, donc elle va me l'enlever plus tard, mais voilà, j'en ai à peu près pour 5 mois, donc honnêtement ça passe très vite, enfin là j'en suis presque à la fin de mon 3e set et j'ai 10 sets de gouttières, donc voilà, c'est pour vous dire que enfin, en fait, ce genre de truc comme ça, tu t'en rends pas compte, mais t'as à peine commencé, qu'après t'es à la moitié, après t'as fini et c'est ciao quoi. Si vous demandez, enfin je préfère vous le dire, parce que si vous êtes là en train de regarder la vidéo et de vous dire, mais elle a un truc non sur les dents ou quoi, enfin c'est chelou. Oui, oui, j'ai Invisalign, c'est pour ça que je zozote un peu des fois sur les vidéos, bon quand même pas beaucoup. Et c'est vrai que mes premières vidéos en voice-over, mes reels et tout, je me disais, ah ça s'entend que j'ai un truc, mais voilà. Je sais pas si vous voulez vraiment que je vous fasse, que je vous donne mon avis sur ça, que je vous fasse un compte rendu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous expliquerai plus en détail. Je pense que je vous ferai une update sport parce que j'ai plein de questions sur est-ce que tu continues la course, qu'est-ce que tu fais en termes de muscles, course et tout. Quels sont tes objectifs de course, tu veux faire un semi-marathon, tout ça, pas du tout. Enfin pas pour tout de suite, donc je pense que je vous expliquerai après. Mais là je me prépare parce que je vais aller faire ma séance d'eau, mais ce matin je vous avoue que j'ai fait une grasse mat et surtout avec Anto depuis 2-3 semaines je dirais, on a un rythme mais de sommeil mais catastrophique, genre je n'ai jamais fait ça de ma vie, je crois pas, et moi de base vraiment genre je suis grave lève tôt. Genre à la base des bases, au lycée je me levais toujours super tôt, genre mes parents ils ont jamais eu besoin de me réveiller, genre je mettais mon réveil, je me levais, au collège aussi, et une fois que j'étais à la fac, bah tout le temps à 6h du mat j'étais levée, j'allais au sport,
J'allais à la fac, je faisais mes trucs et tout, et voilà, enfin j'ai toujours été du matin. Mais depuis que j'ai pas de personne au-dessus de moi qui va venir me dire « Ouais, tu t'es levé plus tard, t'aurais pas dû » et tout, je vous avoue qu'il y a des jours, j'en profite pour dormir parce que je suis fatiguée tout simplement, et que ça sert à rien d'avoir de la flexibilité dans ton emploi du temps si tu peux pas en profiter, quoi. Enfin, je veux dire, quel est l'intérêt sinon. Donc, il y a des fois, je me lève plus tard, mais là, ça va pas du tout, genre ça... En fait, c'est même pas que j'ai pas assez d'heures de sommeil, parce que du coup, vu que je me couche tard et je me lève un peu plus tard. Donc en soi, j'ai plus ou moins mes heures de sommeil. Mais par contre, le truc qui est horrible, je pense, c'est que mon corps, il est quand même une première phase de sommeil qui se passe dans les premières heures de la nuit. 23h, minuit, 1h du mat, tout ça. Et quand tu te couches à 1h du mat ou à 2h du mat, t'as pas vraiment ce sommeil réparateur là. Et donc même si tu dors 7h, 8h, tout ça, t'es quand même éclaté le lendemain. Enfin voilà. Et donc bon bref, ça a plein d'impact sur tout, sur mon humeur, sur mes hormones, tout ça. Le matin, là, je me suis forcée à manger parce que du coup, vu que ça perturbe tes hormones, genre le cortisol, tout ça, après, t'es un peu, t'as pas faim. Et moi le matin, je sais que c'est pas normal pour moi de pas avoir faim parce que d'habitude, j'ai trop faim. Dès que je me lève, faut que je mange. Et quand j'ai pas du tout faim, je sais que c'est parce que soit mon sommeil c'est une cata, soit parce que je suis stressée. Donc il est temps de remédier à ça, mais même avec Anto, on est en mode on va faire un pacte et on arrête de se coucher trop tard. Ce n'est pas possible. Et ce matin aussi, je devais poster cette collection absolument incroyable de chez TVO. Je sais pas si on voit. Bref, j'ai tout mis en photo sur Insta. Et je pense que c'est ma collection préférée de tout ce qu'ils ont sorti. Déjà, il y a les hauts danseuses comme ça qui sont trop beaux et trop agréables avec le dos nu. Le short ou les leggings. Trop confortable. Et les gilets, parce qu'ils ont sorti des espèces de petits gilets en zip, là vous voyez, qui sont trop bien coupés. Enfin, je sais pas, tout est parfait, les couleurs, les matières, les designs, tout, dans cette collection. Donc voilà, j'ai posté toutes les photos, vidéos, parce que les collections de TVO, elles sortent tout le temps, le dimanche, à 11h. Et bon, j'ai vu qu'il y avait déjà plein de trucs en rupture de stock, mais ça, c'est absolument toutes les marques, maintenant, j'ai l'impression. Genre, dès qu'il y a une marque, t'as un truc, et c'est en rupture de stock. Genre, je sais pas si c'est parce qu'ils font pas assez de stock exprès pour créer la hype, ou si c'est juste parce que, maintenant, il y a trop de hype sur plein de trucs, et du coup... les gens ils se ruent dessus, et si t'es pas là dans la seconde pour acheter quoi que ce soit, tu peux pas avoir ce que tu veux. Donc c'est un peu chiant des fois, j'avoue. Ah oui, je pense que je vous l'avais pas encore annoncé sur ma chaîne, mais je vous l'ai dit peut-être déjà sur Insta. Mais du coup, Anto et moi, on a lancé notre chaîne YouTube. Donc ça s'appelle Anto et Claire. À la base, on voulait mettre Claire et Anto, mais ça existait déjà. Mais du coup, c'est une chaîne où on va poster que de la bouffe, pratiquement. Parce que on adore tous les deux tester des restos, des cafés, des trucs comme ça. Donc vraiment nos adresses préférées, pas forcément toujours le truc hype qui sort et tout, parce que y a beaucoup de restos comme ça qui sont un peu famous, on va dire, mais qui sont pas très bons. Genre la déco va être belle, le truc va être cool, mais en soi c'est pas si bon que ça. Donc je pense pas qu'on vous montre trop d'adresses comme ça, c'est plutôt peut-être des petits trucs cachés, ou voilà, vraiment nos adresses préférées, et aussi sans doute des logements, quand on va voyager, etc. Je pense qu'on va vous amener partout avec nous, et voilà, peut-être des expériences, des trucs à visiter, tout ça, parce que moi j'adore, c'est vraiment, genre limite je pourrais passer ma journée à créer un guide de voyage, quoi. Donc je pense que je vais finir par le faire, parce que ça fait des années que je veux faire ça et que j'adore, avec des adresses, des trucs à faire, les coins à visiter, tout ça, même si je sais que avec internet il y a plein de trucs maintenant, mais c'est quand même plus pratique d'avoir tout en un seul endroit. Donc voilà, si vous voulez nous suivre sur YouTube et sur Instagram, parce qu'on a fait les deux, même si bien sûr le format YouTube il est plus chill vu que je prends vraiment le temps d'expliquer, de détailler, de parler entre nous, mais voilà, sur Insta aussi on fait des petits reels, des petits tests, tout ça. Donc c'est très cool, franchement, ça change de faire un truc à deux plutôt que toute seule. Jeudi aussi, je suis allée nager. Genre je suis allée à la piscine, les gars. Pourquoi? Tout simplement parce que Anto et un pote à lui, ils s'entraînent pour un triathlon. Enfin, ils ont déjà fait des triathlons avant et tout. Mais du coup, triathlon, pour ceux qui savent pas, c'est de la natation, ensuite du vélo et ensuite de la course. Donc eux, ils s'entraînent pour les trois. Et vu qu'ils allaient à la piscine, je me suis dit, en vrai, ça change. Et je sais que j'aime bien la piscine et tout, même si on a souvent des mauvais souvenirs du collège ou du lycée, parce que voilà, faut se mettre en maillot. Moi au lycée, j'avoue que ça me gavait un peu parce que on t'envoie juste faire des longueurs le plus vite possible, faire des nages différentes, plonger, faire des trucs, bref. Franchement, il y avait des sports au lycée, c'était juste relou.
Mais là, je me suis dit, en vrai, genre, je fais ce que je veux, je vais à la piscine, je me mets dans une allée et je nage à ma vitesse, à mon rythme. Je fais la nage que je veux, si j'ai pas envie de faire de crawl, personne va venir me dire fais pas de crawl, enfin t'es obligé de faire du crawl. Donc je me suis dit, en vrai, ça peut être cool parce que bah c'est, enfin ça fait du bien. Moi j'adore être dans l'eau, genre c'est pour ça que je rêve vraiment d'habiter au bord de la plage, de l'océan, tout ça, pour nager, tout simplement parce que j'adore. Voilà, je me suis dit, t'as rien à perdre, donc va avec eux pour essayer, et c'était trop bien. Donc je pense que je vais y retourner la semaine prochaine avec eux pour juste nager tranquille, et ça fait du bien parce que bah tu travailles, mais tu travailles en douceur vu qu'il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de charge sur tes articulations, tout ça. Ça m'a vraiment prouvé, encore une fois, même si je le sais, que la muscu, bah déjà c'est vraiment pour se développer physiquement, visuellement plutôt, esthétiquement, enfin esthétiquement et tout. Mais tu peux avoir beaucoup de force en muscu parce que bon, quand même j'ai de la force dans les jambes, j'ai de la force dans le dos, tout ça, à force de faire la muscu. Mais c'est vrai que du coup t'as pas autant d'endurance musculaire, mais surtout ton cardio, genre oui la muscu ça bosse un peu ton cardio, mais quand même pas tant que ça. Genre là, ce qui me limitait quand je nageais, c'était vraiment mon souffle. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'étais pas fatiguée des bras, du dos et tout. Je pouvais vraiment continuer, je pense, à faire des longueurs comme ça pendant un bon moment. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, j'étais un peu genre à bout de souffle, épuisée, et bah, il fallait que je m'arrête, il fallait que je revienne vers le bord de l'autre côté et que je me pose pour récupérer pendant au moins une minute. Parce que bon, sinon, au bout d'un moment, genre, j'aurais fait un malaise dans la piscine, quoi. Donc, on va aller éviter ça. Mais ouais. Vraiment, les sports un peu cardio comme ça, ça te... J'ai le mot en anglais, ça te humble. Genre ça te... Ah, comment on dit en français? Oh, désolé. Mais voilà, ça te fait relativiser sur ton niveau sportif. Et franchement, j'ai de plus en plus envie d'avoir un peu des deux. Genre, c'est incroyable la muscu et ce sera toujours mon sport coup de cœur. Mais au bout d'un moment, voilà, j'ai envie d'arriver à courir une demi-heure, une heure... ou faire de la natation pendant une demi-heure, une heure, sans être au bout de ma life essoufflé. Je pense que c'est important. En 2024, on essaye des nouveaux sports, des nouveaux trucs, enfin des nouveaux sports. J'ai déjà nagé dans ma vie, hein. Mais voilà, je trouve que cette année, j'ai vraiment envie de m'entraîner. Oui, pour des objectifs physiques et tout, mais ça, c'est aussi de l'alimentation qui joue énormément. Et aussi, genre, m'entraîner pour le kiff, voilà, pour... Je vais nager une heure, bah, je prends du plaisir, je vais courir une heure, ça me fait du bien. Je suis pas en train de me dire je vais nager ou je vais courir pour perdre du poids, ou je vais nager ou courir pour faire tant de vitesse et gagner une compétition. Genre sans ça, je m'en fous, c'est vraiment juste pour moi me sentir bien. Enfin voilà, kiffer mes séances et voilà, et que mon corps, bah, que je continue de m'entretenir tout simplement. I'm back de la séance, franchement trop bonne séance d'eau. J'ai fait un PR sur les tractions puisque j'ai fait 6 tractions en pronation avec mon poids de corps. Mon but c'est d'arriver à 10 tractions en pronation, mais voilà, cet ensemble est juste incroyable. Et celui-là il existe en kaki aussi, il est trop beau, mais j'ai mis l'autre jour donc là je l'ai pas remis. Mais voilà, petit flex du dos. Ok, donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit peu une update sur ma façon de m'entraîner, puisque j'avais fait une série de vidéos, et je pense que je vais la continuer, sur l'entraînement hybride. Donc j'en ai parlé un petit peu ce matin, mais honnêtement, ça fait du bien de changer un petit peu sa pratique, même si, je le répète, la muscu c'est vraiment le sport que je ferai toute ma vie. Le sport qui prendra le plus de temps dans ma semaine, hormis peut-être si vraiment je m'entraîne pour quelque chose de spécifique. Genre bien évidemment si tu t'entraînes pour un marathon ou pour d'autres trucs comme ça, bah tu ne peux pas garder ton entraînement de base que tu fais en muscu avec push-pull-leg etc. Tout simplement parce que bah au bout d'un moment... il faut bien récupérer et c'est juste pas optimal, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc j'ai toujours mon split avec mes séances, deux séances jambes, enfin en fait je fais mon programme Gym Girl tout simplement, donc j'ai toujours deux séances jambes et j'ai une séance pull, donc dos et biceps, et une séance push, donc avec épaules, pec, triceps. Donc comme ça vraiment je travaille l'ensemble du corps. Et ce que j'aimerais bien rajouter, c'est un petit peu de travail de sangle abdominale dans mes séances parce que bah, ça t'aide pour les exercices et ça t'aide pour ta pratique autre.
mais en tout cas c'est un petit peu comme ça que je m'organise pour l'instant. En ce qui concerne la course, pour celles qui regardent un peu mes stories ou qui me suivent sur Strava, vous avez vu que ça doit faire un mois que j'ai vraiment vraiment ralenti la course. J'ai même arrêté je crois pendant deux trois semaines. Non, ce n'est pas parce que la hype m'a passé ou parce que je n'aime plus courir ou parce que ça m'a saoulé, etc. Mais c'est parce que au bout d'un moment j'ai commencé, alors c'était très très léger, mais je fais toujours attention à ça parce que je ne me blesse jamais. Je crois que je me suis blessée une fois légèrement en musculation en 10 ans, donc voilà, je ne me blesse pas, je fais toujours très attention quand je fais un sport. Et là je commençais à avoir des douleurs sur les genoux, donc à la fois devant et sur les côtés. Donc je sais que c'est les ligaments, les tendons qui prennent des coups. Et vu que je n'ai jamais jamais eu ça en muscu, j'en ai déduit que c'était la course à pied, parce que bah, j'ai rien changé dans mes entraînements de muscu, j'ai juste rajouté de la course, et donc je me suis dit que ça avait un rapport avec ça. Donc ça pouvait être dû à plusieurs choses. La première, ça peut être dû au volume d'entraînement, puisque c'est possible que j'ai rajouté un petit peu trop de courses d'un coup, même si vraiment je vous dis, j'ai essayé d'y aller très doucement, c'est-à-dire que j'ai couru des 5 km pendant un mois et demi, le temps de m'habituer, et je courais pas vite. Enfin vraiment, j'étais pas en mode je vais battre des pierres et tout, j'étais vraiment... Alors j'ai du mal à être en endurance fondamentale, c'est-à-dire quand ton BPM est quand même assez bas. Voilà, moi j'ai toujours mon rythme cardiaque qui monte très très vite, je suis essoufflée assez vite, peu importe ce que je fais, mais... Du coup, j'étais pas dans ça, mais j'ai jamais essayé de courir très très vite mes 5 km. Et petit à petit, j'ai rajouté du coup 10 km. Donc j'ai essayé de courir 10 km et une fois j'ai couru un 12 km, je pense, une seule fois. Mais j'ai fait ça progressivement et voilà, donc sur 3 mois. C'est possible qu'il y ait eu un peu trop de volume d'entraînement rajouté d'un coup, mais les gars, je suis pas passée de pas du tout de course à courir un semi-marathon en 2 mois non plus. Donc voilà, ou à me taper 20 km de course totale par semaine, j'ai pas fait ça. Donc la deuxième option pour moi, c'était les chaussures, parce que j'ai commencé à me renseigner sur les baskets et je vous avais dit, enfin vous m'avez déjà demandé quelles baskets j'utilisais, etc. pour courir. Donc moi je courais avec des Hoka Carbone. J'ai acheté ces chaussures, enfin on m'a offert ces chaussures il y a 2-3 ans, juste parce que dans ma tête, voilà, déjà elles étaient très très belles, j'aimais bien les couleurs, et dans ma tête, avant, qui dit amorti, et les Hoka, elles sont quand même réputées pour avoir bah, des grosses semelles, donc un gros amorti. Qui dit amorti, moi dans ma tête, je me suis dit, bah c'est nickel pour le cardio, parce que bah, en cardio, enfin quand on court, on ne recommande pas du tout les Converse. Genre, on ne courait pas en Converse ou chaussures plates, parce que bah, c'est le pire truc à faire. Mais du coup, vu que j'avais vu les Hoka qui avaient une grosse semelle, je me suis dit, bon voilà, c'est de la bonne qualité, c'est une bonne marque, il y a une grosse semelle, c'est bon, genre juste, c'est la chaussure nickel pour courir. Eh bien non, parce que je me suis renseignée petit à petit. Donc ce que j'ai fait quand j'ai commencé à avoir des douleurs, c'est que j'ai complètement arrêté la course. Donc j'ai pas cherché midi à 14h, je me suis pas dit, allez mais cours quand même, même plus doucement, même moins de distance, etc. Non, j'ai commencé à avoir un peu mal au genou, j'ai arrêté de courir jusqu'à ce que ma douleur disparaisse complètement, complètement. Et je pense que c'est ça aussi qui est important, qui fait que bah, là je n'ai plus du tout mal. Parce que bah, sinon, forcément après, s'entraîner sur la douleur, ça augmente juste la problématique et après ça va de pire en pire. Donc ne faites jamais ça. Si vous commencez à avoir mal quelque part, mais que ce soit en muscu, en course, etc., ne forcez pas dessus parce que c'est juste le pire truc à faire. Donc j'ai arrêté, ma douleur elle est partie, et pendant ce temps là, vu que j'ai arrêté de faire la course, je me suis dit, il faut que je trouve des chaussures adaptées à ma pratique. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis allée dans des magasins spécialisés, alors je mets entre guillemets parce que attention, je pense que il y a des magasins, ça dépend vraiment de votre vendeur. Il y a des vendeurs qui, ça se voit qu'ils courent, ça se voit qu'ils savent ce qu'ils disent, qu'ils connaissent ce qu'ils disent, mais il y a des magasins, même spécialisés, donc je ne citerai pas le nom, où les vendeurs, franchement, c'est pas ça, quoi. Genre, c'est les conseils, c'est pas opti. J'ai pris un petit peu de conseils dans les magasins et j'ai surtout essayé les chaussures avant de les acheter pour voir ce que ça donnait en fait sur mon pied ou autre. Et j'ai aussi regardé un petit peu des articles, des vidéos sur internet, etc. pour voir en fait ce que les gens expliquaient. Donc
Vraiment, il y a plein d'articles aujourd'hui sur internet, de blogs de coureurs, de gens qui testent les chaussures tout simplement et qui ont l'habitude de courir, voilà, qui font ça depuis 10 ans et qui savent expliquer en fait quelle chaussure est adaptée à quoi. Donc moi je suis allée sur ces sites et j'ai lu tout en détail. Donc là je connais vraiment plein de trucs sur plein de marques, de chaussures différentes, de pratiques, tout ça. En fait, le problème c'est que, enfin, le genre de choses je pense qu'on ne sait pas quand on commence à courir, c'est qu'il y a quand même des chaussures qui sont adaptées pour les types de courses. C'est-à-dire que dans ma tête avant, et je pense que c'est le cas pour la plupart des débutants, courir égale juste chaussures avec un minimum d'amorti. Sauf que c'est pas vraiment ça, parce que on peut faire des courses assez lentes, donc on court doucement, mais on court de manière régulière, je sais pas moi, 2, 3, 4 fois par semaine. On peut faire des courses plus rythmées avec de la vitesse, et ensuite il y a vraiment les courses de compétition, genre semi-marathon, marathon, tout ça. Et donc en fonction de ça, bah, les chaussures sont différentes. Moi, mais au cas, vu qu'il y a du carbone dedans, le carbone, ça rend la chaussure hyper rêche. Enfin genre, elle est presque pas pliable, ma chaussure. Ce qui fait qu'à chaque fois que je fais un pas, en fait, ça me propulse. Genre vraiment, ça me fait rebondir. Bon, ça se voit pas, enfin genre je le sens pas. Et le problème, c'est que quand on utilise des chaussures comme ça pour courir de manière quotidienne, bah, au bout d'un moment, en fait, ça fait juste mal aux articulations parce que ce n'est pas du tout adapté pour. Donc mes chaussures, elles sont très bien si demain je vais courir en semi-marathon. Voilà, pour ma course, je peux prendre ces chaussures-là parce que, voilà, ça va arriver une fois de temps en temps, et enfin une fois tous les 4 mois limite, même pas, et ça va me faire gagner de la vitesse, et pour cette course là ça ira. Ou si de temps en temps je me décide un jour à courir moi-même pour le kiff un 20 km, mais pour courir des 5 km, des 10 km à ma vitesse, qui est quand même assez lente, c'est pas du tout nécessaire, c'est même néfaste en fait. Et du coup bah j'ai fait des recherches sur plein de chaussures et j'ai fini par acheter celles-ci, qui sont les ASICS Gel Nimbus. Voilà, Gel Nimbus si je me trompe pas. Et donc ça c'est les 25, parce que maintenant il y a les 26 qui sont sortis. Bon, il y a quasiment pas de différence entre les deux, hein. C'est juste chaque année il ressort des nouvelles. Mais comme j'aimais trop la couleur, bah, j'ai acheté les 25, qui étaient plus jolis que les 26, je trouvais. Mais voilà, donc vous voyez, il y a un amorti de ouf quand même. Et la chaussure, bah, en fait c'est vraiment comme un chausson, c'est-à-dire que tu l'enfiles, t'as l'impression que ton pied a été moulé dedans. Je sais pas comment expliquer, c'est... Voilà, juste quand je les ai essayés, je me sentais trop bien. Et je suis allée courir avec 2 fois déjà, et c'est incomparable. C'est-à-dire que quand je cours, j'ai l'impression d'être sur un petit nuage, c'est-à-dire que ça amortit vraiment, ça rebondit. En plus, moi je ne cours pas sur... j'habite pas à la campagne, donc je cours pas sur de la terre ou dans un parc, je cours sur du béton. Genre je cours sur une allée où il y a du béton, etc. C'est pas l'idéal, mais j'ai que ça ici. Et du coup, bah, il faut encore plus faire attention aux amortis, parce que bah, à chaque fois en fait je sais plus exactement le chiffre, mais je pense que je vous l'avais déjà dit ce petit tips, mais à chaque fois qu'on court, à chaque impact vous prenez je crois 30 fois ou 40 fois votre poids, enfin je sais plus, mais du coup imaginez quand vous courez pendant une demi-heure, une heure comme ça tout le temps. Voilà, c'est hyper important d'investir dans de bonnes chaussures. Donc voilà, moi je n'ai plus mal aux genoux, et pour l'instant depuis que j'utilise ces chaussures je n'ai aucune douleur qui est revenue, donc à voir. Et même mes Hoka me faisaient mal au dos, alors que moi j'ai pas du tout mal au dos de manière générale. Dans mon quotidien j'ai pas mal au bas du dos, quand je fais un exercice de muscu j'ai pas mal au bas du dos, et là même quand je courais 5 km je commençais à avoir mal au bas du dos. C'est bien le signe que les chaussures n'étaient pas adaptées. Ou si jamais vous n'avez jamais essayé de courir, bah je vous recommande vraiment de l'inclure dans votre routine, parce que c'est hyper important pour bah, votre santé cardiovasculaire, et ça fait du bien au mental. Mais voilà un petit peu une update concernant mes entraînements. Je garde toujours la muscu. J'ai grave progressé dans mes tractions, donc je pense qu'on va arriver à l'objectif que je m'étais fixé sur les 10 tractions au poids de corps. On y est presque. J'ai envie d'essayer un petit peu des nouveaux styles d'entraînement aussi sur ça, avec de l'excentrique, de l'iso et tout, mais bon, je fais des tests et après je vous en parlerai si je fais ça. Mais c'est trop cool. Franchement, enfin, je veux dire, ma routine en ce moment, elle me convient parfaitement, puisque je me mets pas de pression, je fais mes séances, je kiffe. C'est bien de varier un petit peu ses pratiques. Mais voilà, après il faut faire des choses que vous aimez. Genre, je vais pas varier ma pratique et aller faire du crossfit alors que j'aime pas ça, par exemple. Il faut vraiment prendre des sports qui vous plaisent, même si, franchement, si j'avais des studios que j'aime bien ici, ou le temps, je pense que j'inclurai du pilates sur Reformer, parce que j'adore le pilates sur Reformer. Genre vraiment pendant un temps j'avais voulu devenir prof de pilates Reformer, mais je sais pas, peut-être un jour, peut-être pas. Mon problème c'est que je suis souple comme un balai, et voilà, quand tu fais du pilates faut quand même être souple. C'est tellement cool les exercices sur la machine et tout, ça te brûle, c'est pas du tout la même sensation que quand tu fais de la muscu. Ok, donc Anto il va faire du katsukuri,
et les ingrédients. Donc à la base, tu mets des légumes juste. Tu mets carottes. Pour commencer ? Oui. Ah ouais, je mets juste des carottes, des patates et des oignons. Ouais. Pour les faire revenir dans la poêle que je suis en train de, ouais, de faire chauffer. Et du gingembre. Et du gingembre. Mais le gingembre, je le mets après. Ok. Bah, de toute façon, je vous mettrai les quantités. Enfin, tu fais au pif ou tu... Non, bah là, je fais toujours plus ou moins les mêmes trucs en général. Enfin, là, tu vois, déjà, j'ai fait un peu trop de patates, je pense. Ouais, on va montrer dans la poêle après comment il fait, là, parce que... Je trouve que même moi, je pense que je sais pas le faire aussi bien que toi. Genre, je pense que je peux me débrouiller pour faire un curry, mais... Ce sera pas aussi bon. Ouais. À Ikea, au tout début de l'année, quand on a... Enfin, au tout début, quand on a emménagé dans cet appart, on a acheté une poêle en... C'est quoi? C'est de l'alu, de l'inox? Je sais pas, peu importe. Inox. Mais c'est pas une poêle avec un revêtement anti-adhésif. Du coup, on a galéré de ouf pour... Parce qu'on n'avait pas l'habitude de cuisiner avec ça. Et mais j'ai ça marche compris, pas, grâce à TikTok, comment on fait pour que ça colle pas, en fait. Et ça colle plus, là. Non, il faut la laisser chauffer avant. La technique, pour savoir si ça a bien chauffé, tu mets de l'eau dedans. Ça fait des gouttes. Et tu vois, ça fait des gouttes. Faut le laisser encore un peu. Tu vois, par exemple, celle-là, en fait, toutes les gouttes, elles sont censées faire comme ça. Ouais. Elles sont toutes censées se regrouper, faire une grosse goutte. Et en fait, quand elles, quand c'est ça, tu peux mettre ce que tu veux dedans et ça colle pas, même des œufs. Et au moins, comme ça, tu peux mettre tous tes trucs dedans et ça colle pas. Putain, c'est une bonne technique, ça. Waouh. J'ai fait mariner la viande pendant 2 jours. Un jour. 24 heures. Oui. On est quel jour aujourd'hui? Mercredi? Non. On est dimanche. On est dimanche. On a fait quand les courses? On a fait les courses hier. C'était hier? Ah oui, la journée d'adulte. Peu importe. Parce que d'habitude, je fais autrement. Là, la viande, c'est dinguerie. Elle est bien, bien marinée. Tu vois, les endroits où elles étaient collées, là, tu vois, là, elle est encore rose, alors que là, elle est... Oui, là, c'est marinée. Non, mais par contre, en bas, ça a dû bien mariner, là. Wow. On va faire la panure avec de la fécule de pommes de terre, ouais c'est ça, et de du pain de court, la chapelure de pain. Alors pareil, sur TikTok aussi, j'ai vu qu'apparemment les œufs, il faut mieux les casser sur une surface plate. Pourquoi? Que sur un bord, je ne sais plus, pas, je sais, ouais, pas, c'est plus efficace, ça skiffe, j'ai pas trop compris. Mais depuis que je fais ça, je casse des œufs n'importe comment. Ah oui, parce que moi je les ai toujours cassés sur le bord et en vrai ça, ouais, va. Je suis trop fan aussi des gens qui arrivent à les péter avec un doigt. Ah oui, avec un doigt quand tu fais une vidéo. Je trouve ça vraiment, ça c'est le flex ultime pour moi. Ouais, t'es un vrai cristo quand t'es là en mode clac clac, non, comme mais ça là. Le casser ça va, c'est l'ouvrir sans faire tomber à une main. Genre ça c'est dur. Parce que ça, moi je sais le faire, mais j'ai déjà essayé et juste ouvrir sans en foutre partout. Depuis que je suis sur le TikTok cuisine, aussi. Toi aussi t'as eu ce truc de, tu sais, à chaque fois que les gens, à chaque fois que tu fais un truc, tu te passes les doigts sous l'eau. De quoi? Quand je cuisine? Moi, quand je cuisine, à chaque fois que je touche un truc, je me passe les doigts sous l'eau. Ah non, je... Genre, par exemple, je sais pas, je touche la viande, je touche la viande, je me passe les doigts sous l'eau, je craque l'œil, je me mets les doigts, ouais, sous l'eau. J'ai toujours comme ça. Mais parce que t'aimes pas avoir... Et j'ai vu, ça, non, et j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui faisaient comme moi. Mais parce que t'aimes pas avoir un truc qui colle, quoi, je pense. Oui, mais tu vois, par exemple, toi, tu mets un coup de torchon, quoi. Ouais, moi, je mets un coup de torchon. Ah non, moi, c'est direct, hop, sous l'eau, hop, 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 on se lève. Mais pourquoi je mettrais pas ça? Non, tu mettras pas quand je fais. Mais pourquoi pas? Parce que si je fais ça. Si t'as fait, je peux secret aussi. Secret? Oui. Pour faire paner le porc, je fais un coup d'œuf, un coup de fécule de pomme de terre, un coup d'œuf, un coup de panure. C'est bon. Hop. Alors, du coup, là, j'ai laissé tout avec du bouillon de légumes à l'intérieur. Pour que ça prenne bien le goût. Alors par contre c'est super salé, donc faut faire gaffe, faut quand même le diluer un peu. Moi je le mets, je recouvre tout, je le fais bien bouillir et après ça réduit et je le dilue un peu avec de l'eau. Comme là j'ai envie qu'il y ait beaucoup de trucs, je mets 2 carrés de curry parce qu'il y a pas mal d'eau. Et du coup sinon après c'est trop liquide. Ça j'avoue c'est la partie la plus relou parce que c'est un peu chiant à gérer. Mais j'avoue, moi, au début c'était tout le temps soit trop liquide, soit c'était trop épais, voilà. Mmh. Donc faut que ce soit bien chaud, sinon ça fond pas et ça colle, ouais, au fond chaud, de la casserole, c'est relou, il y a des morceaux, c'est dégueulasse. La marque c'est ça. Donc c'est Toro Keru, voilà, si ça vous... Voilà, c'est Golden Curry, c'est le même, hein, mais moi je préfère, ouais, celui-là, le goût. Je l'avais déjà acheté au Japon, Golden Curry, il y a aussi, c'est le Medium Hot. Medium Hot. Voilà, il y a le rouge aussi. Il y a le Super Hot, le, ouais, rouge, le mais rouge. Après là, tu as le nez qui coule pendant tout le truc. Ouais. Maintenant, il faut juste touiller en continu parce que sinon, après, ça fait des résidus. Là déjà, tu vois, je l'ai laissé un peu coller. En général, je préfère le faire avec un peu moins d'eau et après, ouais, rajouter. Oui, c'est vrai. Et la dernière petite astuce, c'est le carré de chocolat noir. J'ai rajouté la pomme et le chocolat, j'ai un peu de gingembre. Là, du coup, il faut juste bien laisser infuser. Oui, tu me dis, tu veux quoi toi? C'est bon là? Tu l'as déjà fait avant de m'arriver?
Ok, bon, je pense qu'on peut dire que ça a l'air incroyable. Et franchement, ça sent trop trop bon. Ça sent meilleur que d'habitude. Je sais pas si c'est le chocolat et la pomme. Mais voilà, en tout cas maintenant, vous avez la recette et vous pouvez le faire chez vous. Bon, ça prend un peu de temps quand même, non? Ouais. Ça prend un peu de temps, mais franchement, quand t'as vraiment envie de te faire un bon plat japonais, le katsu curry, c'est incroyable. Ok, donc j'ai cédé puisque j'ai acheté une Ninja Creamy, mais là c'était plus possible. Genre ça faisait des mois et des mois que je voyais vraiment toutes les meufs en Australie et aux États-Unis faire des glaces, tout simplement, tous les soirs avec des parfums différents, genre vanille, myrtille, chocolat, peanut butter, enfin bref, des trucs qui avaient l'air incroyables. Avec du lait d'avoine, du lait de coco, du lait de vache, bref, ça a l'air trop bon. Et ça avait l'air super simple, donc à force, bah voilà, j'avais trop envie d'essayer. Donc, on l'a essayé l'autre jour, enfin on l'a testé, mais j'ai pas pu faire les crèmes glacées, parce que du coup, ça c'est le truc que je ne savais pas. Et en fait, la machine vient avec trois pots, enfin d'ailleurs j'en ai un. Donc la machine, elle vient avec des pots comme ça, et moi en fait je me suis dit que c'était pour quand on fait trop de glace, du coup on garde les pots dedans et ensuite on les met au congélateur, sauf que pas du tout, c'est pas pour ça. En fait, elle peut pas, elle fait pas de froid, donc c'est pas parce que vous mettez du lait et du yaourt ou des trucs comme ça, et que vous le mettez dedans que ça va faire une glace. Il faut que vous fassiez votre mix avant dedans. Ensuite, vous le mettez au congélateur pendant 24 heures, donc vous le faites la veille. Et comme ça, ensuite, vous pouvez le mettre dedans et faire des glaces. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu la tester le jour où, enfin, où je l'ai acheté, parce que bah, tout simplement, j'avais pas préparé ce qu'il fallait mettre dedans. Et hier soir, j'ai fait du coup deux glaces que j'ai mis au congélateur. Donc j'en ai fait une avec de la vanille plutôt, et une plutôt avec du cacao, enfin du chocolat. Donc j'ai trop hâte de tester pour voir ce que ça donne, parce que pour l'instant j'ai juste fait sorbet et milkshake, et c'était très très bon, mais j'ai trop hâte de voir en fait la texture des glaces, si ça rend vraiment un peu comme ce que je vois en photo et tout, parce que ça m'interroge. Mais voilà, il y en a quelques-unes qui ont répondu à ma story, qui m'ont dit qu'elles l'avaient, mais qu'elles n'avaient pas de recette, enfin elles savaient pas comment faire et tout. Donc moi j'en ai noté plein, je vais essayer plein de goûts, plein de mix, plein de trucs. Mais voilà, on va voir si ça marche. Donc voilà les deux que j'ai faites ici. Donc là j'ai mis du lait, pour l'instant dans les deux j'ai mis du lait de vache. Mais je pense que la prochaine fois j'essaierai avec du lait de coco ou du lait d'avoine. J'ai mis du yaourt protéiné à la vanille et je sais plus, et des bananes congées, pour que ça fasse un peu plus crémeux, j'ai vu plein de filles faire ça. Et ici j'ai fait à peu près pareil, mais j'ai mis du cacao pour que ça fasse plutôt au chocolat. J'aurais dû mélanger, souvent les filles elles mélangent avec un mini mixeur, mais j'ai oublié de le faire. Et ensuite bah, juste vous le mettez là dedans, vous appuyez sur glace et vous avez une glace, et c'est incroyable. Et après vous pouvez mettre des toppings, des trucs comme ça et tout. Donc j'ai hâte, on va essayer. Tu veux vanille ou tu veux chocolat? Vanille. Ok, bon, je pense en tout. D'abord je vais essayer vanille, et si on n'a pas assez pour nous deux, je ferai chocolat pour moi. Voilà ce que ça donne, c'est incroyable. Je trouve qu'on sent vachement la banane. Enfin, c'est comme toujours, même quand on fait un smoothie, dès qu'on met un peu de banane, bah ça se sent. Enfin, moi ça me dérange pas, mais je sais que pour les gens qui aiment pas trop la banane, je pense qu'il faut essayer sans. Et là ensuite, je pense que je vais mettre des Oreos dessus pour Anto. Et moi j'ai pris aussi ça. Des mini Reese pour mettre dessus. Ça va être trop trop bon. Mais en tout cas c'est incroyable parce que c'est super rapide. Genre en une minute du coup ça fait une glace. Ça fait quand même un énorme pot. Je reviens de ma séance jambes, on est le lendemain. Écoutez, je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, ça m'avait trop manqué de filmer. J'espère que vous avez pris des idées avec les recettes, tout ça. J'ai trop hâte de filmer tout ce qui va se passer en juin et cet été. Je ne vous dis pas encore où on part, mais ça va être absolument incroyable, je vous amènerai avec moi pendant toutes nos vacances, mais ça va être ouf. J'espère que vous avez passé une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine, au moment où vous regardez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve dans la prochaine vidéo.